Et bonsoir Twitch. J'arrive, je tweet et j'arrive. J'avais oublié de tweeter. Hop, c'est bon, c'est fait. On y est. Hop là. Alors, il n'y a pas de son. Si, j'ai entendu quelque chose. Alors, ce soir, on reprend Resident Evil 4. Où est-ce que je m'étais arrêté? Je sais plus. Qu'est-ce que j'avais fait? On s'approchait. Si, on s'approchait de l'église. Ouais, c'est ça, je me souviens maintenant. On avait fait toute la partie de village. On s'approche de l'église. Salut Jess, comment vas-tu? C'est peut-être même un peu fort en fait. Hop, voilà, je baisse un tout petit peu. Une heure 23 de jeu. Pourquoi 1h23? Ah oui, on avait parlé du Nintendo Direct la semaine dernière, c'est pour ça que j'avais commencé un peu plus tard. Hop, hop, ça va et toi? Bah écoute, ça va. J'ai un énorme bleu sur l'avant-bras. Je commence à m'inquiéter. J'ai de plus en plus souvent des bleus. Je sais pas si c'est. Je crois que c'est pas bon d'avoir tout le temps des bleus. Salut Rezar. J'ai oublié le menu. Ah voilà, c'est là. Là, on va y aller. Par contre, attends, j'ai du flou sur les lunettes. Ah oui, c'est dégueulasse. Waouh! Salut Mag! Comment ça va? Bon, ça y est, l'équipe est au complète. On verra si. S'il y a quelqu'un d'autre qui approche ou pas pour mater le stream. Alors, attends, c'est peut-être chaud encore. Comment ça va, Mag et Rezar? Quoi de neuf? Là, je ne voulais pas que ça y était dans la version pas HD, ça. Je sais pas ce que ça représente. Ça va tranquille, un peu fatigué, je suis debout dessus, 5h30. Ah oui, ça fait tôt. Ouais, debout depuis 6h. Mais comme quoi, une demi-heure, franchement, ça change tout. De retour sur Arceus pour essayer de m'avoir un garde-voir shiny. D'accord. Il n'y a que dans Arceus que tu peux avoir des garde-voir shiny. Oh, c'est peut-être plus simple. C'est vrai que les shiny dans Arceus, c'est plus simple. Hein. Je crois que de toute ma vie de chasseur de Pokémon, c'est dans Arceus que j'en ai trouvé le plus. Good things on sales. What are you buying? La grosse TMP. Non, y a rien qui m'intéresse. What are you buying?
Ça sert à rien de les améliorer parce qu'il y aura des meilleures armes après. Dans épée et bouclier, j'ai tout tenté, impossible. Bah voilà. Ah mais c'est vrai que dans Arceus, surtout après que t'aies fini le jeu, c'est tellement facile d'avoir des shiny en vrai. On va bientôt... J'ai le micro qui est vachement loin, attendez. C'est peut-être mieux là. On va bientôt trouver la casse-pied. Ta gueule. Non, pas touché. Elle est où la relou? Approche. Ah bah bravo, tu frappes les femmes. Franchement. Quel sexiste ce Léon. Bon après tu me diras... Je pense qu'il frappe les gens de tous les sexes de façon assez équitable. Il frappe les vieilles, il frappe les vieux, il frappe les jeunes, il frappe tout ce qui bouge. À part les chiens. Les chiens, ça va. Après, il va faire de la chasse au harpon. Il va tuer des trolls. Non, mais franchement, c'est un... C'est un exterminateur. J'ai entendu un drôle de bruit. Ah oui. Un forastero! Un forastero! Tu zappes les messages. On dirait quoi tenin. J'arrive jamais à me souvenir de son nom à celui-là. Moi je l'appelle le Rook. Hein. La papaye, bah avec une foufourche. Il a pas aimé ma blague. Ah. Mais tu veux pas mourir? Oups, attends. Voilà. Ils sont vraiment faciles les zombies dans ce jeu, c'est dingue. Ben, t'as vu l'autre, il allait m'attraper, je l'ai esquivé juste en reculant bêtement quoi. Zut. J'ai plus de balles. Impossible de l'ouvrir, c'est pas des zombies, c'est pas faux. Un orifice circulaire peut-être, un objet peut y être inséré. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. C'est une porte en bois, fous-y le feu. Attends. Vas-y, tire ton machin. Gracias. Un message dit 3 insignes familiaux des sosies. On dirait que le cadran tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 3 ou 4 crans.
Ah oui, 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 ça, je me souviens de cette histoire. Alors, il y a ceux-là, des M, ou des W à l'envers. Il y a ça, des sortes de V. Et le troisième... Un Z. Z, M et V. Alors, là je suis sur le Z, donc si je fais 3, non. Il est où le V, il est là. Putain, je fais 4. Non, 3. Et... Ensuite, je fais quoi? Je fais encore 3. Là, je fais 3. 4. 4. 4. 4. Ah non, c'était 3, mince. Ah, zut. Attends, c'est 3. Et 3. Voilà! Trop facile. Ça donne quoi mes trésors là? C'est une coiffure, ça, ça va la combiner avec ça. Ah, il y a ça aussi. Il m'en manque des machins, non? J'en ai raté. Non, pas pour le moment. Celui-là, attends. Non, c'est bon. C'est plus tard. Ok. On continue. Et il y a un machin là-haut. Franchement, la carte, il y a tout qui est indiqué dessus. C'est tellement facile. Je vais être à court de munitions. Ça, c'est pas cool. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, je suis tout fait. Ça fait chier de tout faire au fusil de chasse. T'es un poisson, au cas où j'ai faim. Dommage que ce soit pas un espadon, t'aurais pu les embrocher. Je vois trop le truc. Oh, ça aurait été gore. En ce qui concerne les deux fugitifs, le plus urgent est de capturer Louis. Le cas de l'agent américain peut attendre. Ce que Louis nous a volé est bien plus important que la fille. Si on ne le récupère pas, la fille ne servira à rien. Nous devons remettre la main dessus pour mener à bien notre projet. Si l'objet tombe entre de mauvaises mains, le sort du monde pourrait être très différent de ce qu'envisage Lord Sedler. Nous devons à tout prix l'empêcher. Quoi qu'il en soit, on ne va pas laisser la fille partir. Pour que l'agent ne puisse pas la délivrer, j'ai verrouillé la porte de l'église où elle est retenue prisonnière. Ceux qui veulent entrer dans l'église doivent obtenir l'autorisation de Lord Sedler. Il y a une clé derrière le lac, mais il ne devrait pas y avoir de risque. Le Del Lago a été réveillé par le Lord et personne ne peut traverser le lac. De plus, notre sang coule dans les veines de l'agent. Tôt ou tard, il sera l'un des nôtres.
Après cela, personne d'autre ne viendra au secours de la fille. Ça a l'air assez important ce genre de document, pourquoi il laisse traîner ça? Ah, sale bête! C'est bon. Je savais qu'il y avait des serpents dans le temps, mais... Il a pas laissé un œuf? Ça manque quand même un petit peu de munitions par ici. Une sale tête. T'en as plus. J'ai peut-être une idée. Ah, mais c'est bon, j'en avais pile 11. T'as voulu lui faire des cheese? Pardon. J'y penserai pour le prochain. Comment ça se fait que les corbeaux aient autant de pognon sur eux? C'est bizarre. Hein. C'est vide. Ils aiment bien ce qui brille. C'est les pies qui aiment ce qui brille, c'est pas les corbeaux, non? Ils vont dans les poches des gens et hop, ils volent le pognon. ça c'est bon. Hello! Oh, il a tout un attirant. Bravo, étranger, je vois que tu as tiré sur un nombre suffisant de médaillons. Comme promis, va chercher ton arme spéciale et l'écran acheté. Ne t'inquiète pas, si tu n'as pas beaucoup d'argent, je t'offre cette arme. What are you buying? Le Punisher. Ah, attends. Je te vends le mien. Pistolet. Is that all, stranger? Is that all, stranger? Thank you. Eh, il coûte cher le poisson, hein? Plus cher que le flingue. Thank you. Je sais pas si c'est combinable ça, je verrai après. C'est celui-là qui est combinable. Bon, je le garde de toute façon. Acheter le Punisher. 09. Ouais, il est mieux que le mien en vrai. Je sais plus si on a un autre flingue plus tard. Je sais plus s'il y en a un meilleur. Il vend pas de munitions lui. C'est couillon.
What are you selling? What are you buying? Is that all? Alors attends, 4, 4. Non mais j'ai dit que le fusil je l'améliorais pas encore. Enfin, que ça servait à rien. Ciao bambino. C'est bien, j'allais dire, ils l'ont bien optimisé, il n'y a pas les temps de chargement comme dans le 0. Allez, on y retourne. Il est vieux ton bambino. Un petit peu. Allez, on va courir. On arrivera plus vite en bas comme ça. Y. Wow. Comme si c'était rien passé. Ah, j'aime pas cet endroit. Oups. Est-ce que je vais y choper sa sale tête à lui là? Ah, peut-être. Si on arrive à synchroniser. Tiens. Dégage. Examinez. Là-bas. Il a de beaux yeux bleus. Il en a plus. Un truc qui manque, un petit peu comme dans The Last of Us, c'est de prendre une pierre ou un truc comme ça. Qui ? Où ? Mais non. Ah si, je te vois. De prendre une pierre et de la jeter sur les mines pour les faire sauter. Ça aurait été bien. T'es où mon cochon ? Pas un méchant monsieur là. Ah. Bonjour. Ça fait peur. Je m'y attendais pas. Sale bête. Approchez, approchez. Ah merde.
bouger là. Il rôde quoi? Eh, ils en redemandent hein. Là il y a le serpent, on s'approche pas. Oh putain, il en reste encore. Est-ce qu'ils arrivent à l'infini ou quoi? Peut-être qu'ils arrivent à l'infini en fait. Un quoi? Je parle pas votre langue. Oh non, les serpents. C'est bon. Tout va bien. Ah attends, j'ai raté un truc. J'ai raté un truc important là. Il y avait un trésor. Allez, on y retourne. Je pense qu'ils sont un peu consanguins, hein. Ils se ressemblent tous. Ah merde, c'était un doré, ça va. Waouh. Attends, mais moi je veux juste le trésor. Il est où le trésor? Je suis impressionné qu'on me comparait à Resident Evil, je marche sur ce jeu. Bon, je sais que ça va se compliquer après, mais pour le moment, ça va. Alors, là, il y a un trésor aussi à ne pas rater.
Là, il y a une petite cutscene. Vite, il faut le sauver. Pêche au gros. Hein. Au moins ce boss il est bien, il me fait pas consommer de munitions. RIP Pedro. Dans le lac qui rigole un peu. Qu'est-ce qui se passe déjà quand je tire dans le lac? Je sais qu'il y a un truc, il vient sur la plage, il te bouffe, non? Il y a pas un truc comme ça? Je sais plus. Il me semble qu'il y a une connerie comme ça. J'ai bien fait de sauvegarder juste avant. Succès, ouais. En plus j'ai débrouillé le succès. Alors que, tu vois, s'il montait sur la colline, là, il pouvait faire le tour sans passer par le lac. Voyons. Il y a juste les contrôles qui sont un peu... Ouais. Ça, où tu revenais en arrière, tu récupérais un cadavre de... De paysans là et tu le jetais à l'eau. Je veux dire, il y avait plein de moyens de s'en sortir. Comme de par hasard. Et hop, un peu de jet ski. C'est pas le bon bouton. Nage plus vite. 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 Bravo. Moi je monte pas aussi vite sur une barque. Hein. Et étonnamment là, il était plus accroché. Hein. Il est...
Bah, la corde elle disparaît, bah c'est bon, y'a plus de danger. Sinon t'as un couteau, coupe la corde. Tu m'étonnes qu'il soit resté qu'un jour dans la police, il est un peu bête. Adios. Les enfants, je ramène le dîner. Ah merde. C'est maintenant que tu prends ton couteau. Ça, c'est pour Pedro. Pedro, ton âme est vengée. Non, il va devenir comme eux. Je suis mort deux fois. Bah une fois c'est avec le poisson, l'autre fois ça devait être la semaine dernière, je sais plus pourquoi. Ah oui, quand je faisais le rigolo avec le mec avec son tronçonneuse là, j'étais mort bêtement. Un cauchemar. Bah du moment qu'il n'y a pas un œil qui lui pousse sur l'épaule, ça va quoi. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? C'est un peu le cauchemar. Anyway, I started to feel dizzy, and I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Un objet important est caché dans les chutes. Si vous le trouvez, vous pourrez peut-être aider Ashley à s'échapper de l'église. Attention, le chemin permettant d'accéder à l'église n'est pas facile. Ils ont placé ce qu'on appelle un El Gigante. Que Dieu vous protège. Pour ce qui est de votre état, si je peux vous aider, je le ferai, mais cette situation me dépasse. Mais qui c'est qui a écrit ça? C'est Louis? C'est quelqu'un d'autre?
Vas-y, fais cuire ton poisson, il y a une chimie. Alors, attends. Examiner. Non, il n'y a rien. Il faut retourner sur le lac, je crois, hein, pour récupérer ce trésor là-haut. Ouais. Et je sais que si tu reviens sur cette rive, il y a les nouveaux zombies là, ceux avec les têtes blablabla, que j'aime pas. Ce que j'aime bien dans mon planning de cette semaine, c'est que tu passes du jeu d'horreur au jeu Disney, au jeu d'horreur au jeu Zelda-like. Bon enfant. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Salut. Got some rare things up. What are you buying? Peut-être le prendre, la mitrailleuse. Ça rentre, j'ai la place. Attends, on va essayer de réorganiser un petit peu. Is that all? Ah. Ah, ça va pas rentrer. Ah, peut-être attends. Hop. Tac, 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 tac. Quelle organisation? Thank you. What are you selling? Marque comprenant 3 orifices. On dirait qu'elle était sertie. Ça, le bracelet, je peux le vendre normalement. Ah, I'll thank la pipe aussi. Ah, I'll buy it. It thank la coiffe, ça se vend direct. Ah, I les spinels, ça you. Dégage. Is that all, stranger? Thank le stream you. Est down? Non, moi tout va bien. C'est ta connexion, Mag. J'ai eu un freeze. Freeze. I say freeze. Non, moi j'ai pas eu de... Depuis que... Franchement, depuis que j'ai pris le téléphone en 5G là, j'ai plus de problème. C'est dingue. Vivement la 6G.
puis ouais, des fois ça arrive. Des fois, quand t'as des désynchros aussi entre le son et l'image, il suffit de rafraîchir la page. J'ai pas beaucoup de... Avant, il y a la 5G+. Bon, le flingue, j'ai quelques munitions. Ah oui, j'ai beaucoup de munitions en plus. J'en ai 70, ça va, je me suis refait. Là, j'ai rien oublié. Hein. Bon, en avoir 15, les avoir tous, ça sert à rien de toute façon. Il suffisait d'en avoir 10. Ah oui, après, je vais revenir là. Ouais. Bon, mais on continue d'avancer. Non, 5G c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce que j'aime pas ça? Le premier Las Plagas, ouais. Encore ceux-là, c'est pas les pires. Les pires, c'est ceux que des fois, quand ils sont morts, bah, en fait, il y a la sorte de tête qui se détache et qui devient. Et qui vient t'attaquer après. Mais bon, ils consomment beaucoup de balles. Après tu peux dire, tu dis est-ce que j'explose leur tête, parce que si j'explose leur tête des fois ils viennent plus fort en fait. Mais ils vont arrêter de le dire fils de plage, c'est pas très poli. Ouais, parlez pas de ma mère d'abord. C'est où quel trésor là? Vers le milieu. C'est bon? Non. Là oui. Si il file un bloc de munitions de mitraillette, c'est pas pour rien. C'est qu'il va se passer quelque chose. Bon, moi je le sais. On sait tous ce qui va se passer. Ah, il est là.
joli bague. On va sortir l'artillerie lourde. Encore, c'est pas les pires. Moi, il y en a un qui me glace le sang bien plus tard dans le jeu et j'espère le voir en remake pour voir si c'est encore pire. Ouais, dans le laboratoire à la fin là, qui font les bruits bizarres et qui ont les larves qu'il faut avoir au sniper rayon X. Ceux-là, j'avoue qu'ils sont terrifiants. Ouais, le bruit qu'ils font, c'est rien d'y penser. Allez, approchez. Quelle heure il est ? I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Ah. Ah zut. Vu ce qui arrive, je vais me débarrasser de... Ah, attends. L'herbe rouge à la rigueur. Ah, les grenades, ça sert à rien. Ça sert juste pour les combos. C'est presque la mi-temps. Ouais. Regardez-moi toutes ces munitions, ils m'en filent pas une, enfoiré. Et à qui ils vont les armes, à part moi? Ils les vendent aux villageois? Oh, à mon avis, je suis bien... Got a selection of... What are you buying? Is that all, stranger? Thank you. Is that all, stranger? Thank you. Is that all, stranger? Juste pour faire le plein de... Le plein de munitions. Thank you. Pour être sûr, parce que je peux pas acheter le bazooka. Sinon, je l'aurais fini au bazooka, le bonhomme. Quoique, je vais avoir l'aide du chien. Ça va aider.
Moi, j'ai toujours sauvé le chien. Je sais pas ce qui se passe si tu le sauves pas. Enfin, je sais qu'il veut pas venir, du coup. Mais est-ce que ça rend le combat vraiment plus difficile ? J'ai bien fait de pas te jeter l'herbe rouge, en fait. En Espagne, hein. J'en ai jamais vu, moi. Il n'y en avait pas quand je suis allé en vacances. Cache des trucs. Il est là, le héros. Moi, je m'étais dit, j'espère qu'il va nous accompagner après. Jusqu'à la fin du jeu. Mais non. Non, mais fais pas attention à moi. Occupe-toi du chien. Dans le dos pour voir ce que ça lui faisait. La maison. Si on fait chier à construire la maison, tu as tout cassé. C'est Alien en fait. Ouais, mais Alien dans le dos. Oups. Il détourne à peine l'attention. Oh putain, la baffe. La patate de forain, comme on dit. Tiens, on va manger le poisson, ça fera de la place.
Tiens, dans les couilles. Dans les fesses. C'est là. Vous avez vu qu'il y a marqué combiné et examinar. N'êtes pas examiné. Ils n'ont pas traduit à 100%. Pas que j'ai rien à cacher. Je me suis toujours pas. Hey, le chien, fais ton boulot. Fais ton boulot, le chien. Ça a changé de bouton, c'est peut-être pour ça que je me suis fait avoir tout à l'heure. Au début c'était B, maintenant c'est Y. Il est mort. Le fameux verbe examinar. Alors, on dit examinar en espagnol pour examiner. Ah, miracle, ça s'ouvre. Merci le chien. Voilà, il avait des lingots d'or sur lui. Heureusement que j'ai rechargé les munitions chez le marchand. Je me demande plus s'il y a des saletés là ou pas. Examiner en espagnol, ça veut dire revoir. D'accord. Je
sais plus si... Parce que je sais qu'il va y avoir les chiens là, mais je crois que je peux passer à côté. Voilà. El famoso Egliso. Ashley doit être dans les environs. Oh, la tête de gland. Il est là, tête de gland. Alors, petit puzzle. Au moins, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est pas faux. Celui-là. Comme ça. Et celui-là, le bleu. Comme ça ? Non, pas comme ça. Comme ça. Oh putain qu'il est bon. Et la casse-pied apparaît. Ashley. Don't come. Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Cool. Alors. Appuyez sur R pour la faire suivre ou la faire attendre. Y. Oui, c'est pour les interactions. Il faut veiller à sa santé, c'est vrai. Et si elle meurt ou si elle se fait kidnapper, c'est fini. Elle peut pas descendre les échelles normalement. Elle s'appelle pas Mag.
If you must know, my name is Osmond Sadler, the master of this fine religious community. Enchanté. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnapped the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money. Libérer, non? To vu qu'elle est infectée. Up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your mind. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds ouais. More like an alien invasion, if you ask me. C'est un bon plan. Elle est chaud. On a vu sa culotte. Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess. We can get out of it. De bien visé, c'est pas mal ça. Et je suis pas mort. Là, théoriquement, les autres, ils pouvaient me courir à la fenêtre et me viser depuis la fenêtre. Mais bon, apparemment, ça les intéresse pas. Ils pouvaient m'attendre aussi à la sortie, là. Ah, mais c'est ce qu'ils font. Ils sont gentils. Bonjour. Come on, Ash! C'est pas dans le script, donc non. Tout à fait. Welcome. Got some rare things. Ah, what are you buying? Des nouveautés. Le Red 9. Puissant pistolet de 9 mm. Est-ce qu'il est mieux que le mien? Cadence de tir 0,53. What are you selling? Cadence de tir 0,57. Puissance 0,9. 1,70, 13. What are you buying? 26. Ah, la vitesse de rechargement, c'est pas ça quand même. Is that all? Thank you. Come back anytime. Thank you.
Le TMP, c'est la seule arme que tu as quasiment vers le début du jeu que tu gardes jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'autres mitraillettes. C'est la seule. Donc celle-là, je peux la booster, il n'y a pas de problème. Raté. Alors attends. Non. Il faut que j'aille directement là-haut. Je pense qu'on va pas se poser de questions, on va tracer. Elle, faut juste qu'elle se fasse pas kidnapper. On sera bon. J'avais oublié les pièges à loup. Serra est le troisième groupe. On ignore toujours où se trouve Serra. Il doit probablement utiliser des passages secrets que lui a montré son grand-père qui chassait dans cette région il y a bien longtemps. Je suis presque sûr qu'il se cache dans notre domaine, quelque part dans la forêt. Si son grand-père était encore vivant, je l'aurais utilisé pour trouver Serra. Mais comment a-t-il su qu'un œuf avait été injecté dans son corps? De plus, le fait qu'il ait réussi à le retirer avant l'explosion est préoccupant. L'autre sujet qui m'inquiète, c'est que Louis se soit échappé avec notre bien juste avant l'arrivée de l'agent américain. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Il doit y avoir une autre personne dans le coup. Pour tirer les choses au clair, il faut capturer Louis et lui apprendre et lui attendre que le médicament cesse de faire effet, pour lui injecter un autre œuf. Cela fait, le coupable passera aux aveux. Personne ne va contrecarrer nos projets. Ceux qui essaieront le paieront très cher. Il y a des méchants ici? Ah oui, j'en vois un là-haut. De coup, une balle de coup, une balle de tête. Et toi là-bas, tu viens pas? T'as peur? Alors, c'est dégagé. Elles sont passées où les vaches? Et les poules. Ah, je me disais bien. Approchez. Bonjour madame. Oh zut. Je t'ai pas vu toi. Oups, tombé.
C'est bon, on est safe? C'est gentil, ils ont remis des herbes, des tonneaux. Allez, au pied. Chantilly, Fifi. Non, mais tu pouvais passer à côté. Fada. Est-ce qu'il y a des... Ah oui. Ça devrait suffire. Imagine, il n'y avait pas de serrure à ouvrir. Ben, on était séparés, on était dans la merde. Le vendeur. Welcome. Bon, il a rien de plus lui non. Got a selection of good. What are you buying? La crosse, on s'en fiche. Le lance-roquette, pas besoin. Come back anytime. J'aime pas trop ce qui va arriver là. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. On coupe le pont. Quick, in that cabin. Quick, in the cabin. Imagine la cabane était pleine de pas beau. Leon. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance ah, ces Espagnols, hein. Ça le sent chaud. Oh, oh, excuse me, your highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Ah, ils ont retravaillé la physique de la dame don't aussi, hein. She's cool. Pas le physique, la physique. Yeah, never mind. There's d'une certaine anatomie. There's some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look. Excuse me, princess. Ashley, upstairs. Okay, it's game time. Thank you.
regardes pas comme ça, tu fais peur. Qu'est-ce qu'il vise ? Reza est un vilain, il me traite d'Ashley et c'est vraiment une insulte. Si, tu l'as dit, j'étais là. J'ai tout vu. J'ai juste tiré dessus, mais bon. Où ça ? Pardon. Au revoir. Mais c'est le rebond, cette échelle. Chaque fois j'active la carte, pour rien.
c'est pas juste. Je suis vénère. Oh, faut tout refaire cette connerie là. Fais chier. Je m'en sortais bien en plus là, c'est pas juste. Max, quand j'avais recommencé le jeu plein de fois, je sortais carrément et je l'ai buté dehors. C'était plus rapide. Mais bon. Là, on va y aller tranquille. Je déteste ce passage, c'est pas le pire. Un que j'aime pas, c'est avec le pote à Léon, là, le soldat. Reza, mais Jess, le vilain, je me suis trompé. Ah, c'était Jess ? J'ai pas vu non plus. Laisse monter et que je les tue en fait. Are you okay?
C'est fini. Vamonos. Vamonos. Tu cherches les ennuis, ma gouille. T'en as pas fini d'entendre de parler de Mickey. Looks like they're backing off. Hein? So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. On pourrait faire équipe. Plus rien à récupérer. Zut, toutes les ressources ont disparu. Ah non, il reste une grenade. Alors, ah oui, un délire en partie où je l'embête en imitant la voix de Mickey. What are you buying? C'est quoi le nouveau truc, c'est ça? Ce pistolet de 9 mm permet de perforer deux ennemis. Mais c'est celui que j'ai déjà, le Punisher. Come back anytime. Alors, deux itinéraires. Lord Sadler vient de me dire que nos hommes avaient abattu un hélicoptère de l'armée américaine. Il ne devrait pas y avoir de renfort pendant un certain temps. Tant que le gouvernement américain n'aura pas démasqué le traître, il ne pourra lancer que des opérations secrètes de petite envergure. Nous devons profiter de cette situation pour capturer la fille. Seuls deux itinéraires peuvent permettre aux Américains de s'échapper de notre territoire. Nous les arrêterons ici. Nous allons faire appel à tous nos effectifs. Nous concentrerons tous nos hommes sur l'un des itinéraires, ils ne passeront pas. Sur l'autre itinéraire, notre El Gigante s'occupera de tout. Quel que soit le chemin qu'ils choisiront, l'agent et la fille ne sortiront jamais vivants d'ici. Sincèrement, moi je préfère passer par le géant. Parce que de l'autre, il y a deux fadas avec des tronçonneuses là, et je les aime pas. Ce mécanisme, j'ouvre celui de droite, c'est ça? Alors je vais rater un trésor, tant pis. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de se risquer à aller récupérer le trésor là? Je serai un New Game Plus, j'aurai des armes boostées, j'aurais dit oui. Thank you.
Ah putain, je suis mort. Ah non, c'est bon. Par contre, s'il attrape Ashley, elle va sentir passer. Bien joué, t'as vu ça un peu? Ah, elle a broyé. Bon, en même temps, on rêve tous qu'elle finisse comme ça. Mais elle a dû souffrir. C'est violent, c'est clair. Leon ! Pourquoi je le rate ? Adieu. J'aurais peut-être dû prendre l'autre côté alors. Pression massive. Ah, ça y est. Je sais plus où elle est la clé. Pourquoi tu lis toujours que le dernier message? Parce que c'est plus rapide. qu'est-ce que vous disiez depuis tout à l'heure? Bien joué, la pauvre, pas Mickey. Désolé, je réponds quand je faisais... Mais j'ai tout lu. Non ? Rater des trucs ? Elle est où, Ashley ? Ah. Par contre, côté tonneau, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. L'autre côté, par là. Non, mais le trésor, il est dans le seau, mais on s'en fiche. Hein. Je vais pas me prendre la tête. On se barre. Ça ne te fait pas réagir que j'ai dit la pauvre.
que je suis la seule à avoir de la compassion pour elle. Ah! J'ai dit... T'as dit ça tout à l'heure? On s'en fout de... On s'en fout d'elle. Pas de compassion. Elle est tellement relou, en vrai. Magasin, sauvegarde, quelle arrivée? Il reste 10 minutes. Et là, la prochaine sauvegarde, elle est quand même assez loin... Défense du village. J'ai sous-estimé les qualités de l'agent américain. Il est toujours vivant. Je pensais que nous pouvions attendre l'éclosion de l'œuf dans son corps, mais à ce rythme, il risque de détruire tout le village avant. Nous devons régler ce problème. Eh, pour un petit village, il y a beaucoup de monde quand même hein, qui y vit. Nous allons devoir changer nos priorités. Pour l'instant, cessons de rechercher Louis et tendons une embuscade aux deux Américains. Une cabane sert à torturer les prêtres, les traîtres près de la sortie de l'ascenseur. C'est l'endroit idéal pour leur tendre un guet-apens. S'ils survivent, ils devront m'affronter pour franchir le dernier portail qui mène hors de ce village. Car ce portail ne peut s'ouvrir que sous mes yeux. Ça marche pas. Hein. Ouais. Je la consomme sinon. Bon, et si je sauvegardais là et qu'on s'arrêtait du coup, comme ça on est. Parce que là, je pense que pour traverser le... Là, ce qui nous attend, c'est le téléphérique. Et le téléphérique, ça va me prendre plus de 5 minutes à le traverser, donc... Ah, quoique... Ah si, on va s'arrêter là. Comme ça, ça sera bon. Je sais que le téléphérique, c'est un truc chiant aussi. Hop là. Donc, reste de la semaine, jeudi, autre ambiance, Disney. Ça sera pas pareil. j'ai plus de voix. Jeudi 20h pour découvrir Disney Dreamlight Valley. On va voir ce que ça donne, ce jeu qui se veut mélange de je sais plus quoi et de je sais plus quoi. Ça peut être intéressant, il faudra voir ce que ça donne. En plus, moi j'aime bien Disney, donc... Peut-être qu'on va chanter, je sais pas. Ça m'étonnerait. Bref, Rezar, Mac, Jess, merci de m'avoir accompagné pour la soirée. Je vous dis bonne nuit. Et à jeudi du coup. Ciao, ciao. Évidemment, la suite de Resident Evil 4, ça sera mardi prochain. Hein. Ça, y a pas de problème. Et Rezar, si t'aimes les films d'horreur... Ah ouais, après, je sais pas si t'es dispo le samedi. Mais Song of Horror, il est sympa aussi. Hein. Il fait bien peur celui-là.